Aucun musulman sur la terre ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Aucun musulman sur la terre ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Point d'interrogation. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Est-ce que vous savez, mon frère? Savoir quoi? Que la Vierge Marie, la maman de Jésus-Christ, a fait quoi? Elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran. Mon frère. Non, les gars, ne partez pas encore. Attendez, on va un peu écouter. Est-ce que vous savez que la naissance de Jésus-Christ est détaillée dans le Coran? Godness! Mais non! Non, monsieur l'imam, attendez un peu une minute, on a introduit la vidéo. Alors, c'est ça. Tolé! Oui! C'est comment alors, papa? Ouais, papa, on est là, mais comme le calme. Quoi? Ouais, papa, on est là, mais comme le calme. Parti! Waouh, les gars, ne riez pas encore, ce n'est que le début. De toutes les façons, introduction. Bravo mon frère, arrête d'avoir comme ça, on revient à toi, on évolue avec les travailleurs et les musulmans. C'est vrai. D'accord, mon frère, comment était la fête de travail dimanche? Quand nous sommes en train de dire qu'on fête ou c'est la journée de travail ou c'est la fête du travail, vraiment. Bref, c'est l'une des deux, vas-y. Nous on fait ça parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Comment ça? Parce que réellement dit, ce que nous faisons, nous on n'appelle pas ça travail. What? On appelle donc ça quoi? On appelle ça le jonglage. What? Quoi? On appelle ça le jonglage. En vrai? Mambo, et toi? La fête de travail pour moi, c'est un jour donc, où tous les travailleurs doivent s'asseoir. Les travailleurs doivent. Tous les travailleurs doivent s'asseoir. Doivent s'asseoir. Doivent s'asseoir. Continue, mon frère. Pour manger et boire, parce que vraiment, pendant toute une année. Quoi? Pendant quoi? Pendant toute une année. Aïe! On passe travailler, il faut un. Mon frère, pardon, laisse comme ça. Et toi, mon frère, selon toi, c'est quoi la fête de travail? Manger, boire, danser, amuser avec les amis, tout ça. Ok, c'est bien, Nathalie, applaudis pour lui. Papa, tu es fort. Mon frère, dites-nous un peu, vous fêtez même comme ça, votre salaire là-même, c'est combien? Le chauffeur taxi touche 500 francs par jour. Oh, po. 500 par jour, et ça fait combien le mois? Donc, il a 15 000 francs par mois. Dans ce pays, mon frère. Arrêtez vos histoires là! Non, longueur, attends un peu. Papa? Et ton loyer, c'est combien? Donc, ça ne peut même pas payer le loyer, ni payer de quoi manger. Bon, quand tu travailles, tu fais le versement, tu rentres chez toi même, avec combien? Le chauffeur peut rentrer avec 200 francs. Jésus! Mes projecteurs, soufflons un peu en écoutant ceci. Pause publicitaire! Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photo pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook? Contactez Vision Pro pour les shootings photo. Vision Pro est situé à Yaoundé, au quartier Mousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contact 672 30 37 85 697 39 27 28. Ok. Mais, Tolier. Oui. Mon frère, tu fais dossier comme ça, tu connais ce qu'on appelle la tolérie. La tolérie, hein? C'est un deuxième monde de mon frère. Pourquoi? On cogne les vatiers, pop. Hein? On redresse les vatiers. Ça tecne. On reprend la vatiers. On plante la vatiers, bam, 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 bam. Hein? Maman, on met le beurre. Le beurre qu'on charge le pain avec? Non. Ah, ah. Quel beurre alors? Les mastic, non. Papa, le saint-toffer ou le mastic? Les mastic, non. Hey, laisse les gens. Oh, pays. Je suis père. Non, tu connais ton métier, Tolé. Tu mérites fêter.
Ok, papa, comment était la fête dimanche? Hé, hey, maman, c'était la guerre. Hé, hey, qui est? La guerre, comment? Il y a la nyama mal. Monsieur l'imam, tu disais même que Jésus a fait quoi? Aucun musulman sur la terre ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Hé, hey, toi, tu es musulman. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là? Oui. Mais d'autres le considèrent plutôt comme ennemi, hein? La naissance de Jésus-Christ est détaillée dans le Coran. Mais non, la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est détaillée dans le Coran. Ni ses épouses, ni ses parents. Comment se fait-il que quelqu'un qui est considéré pour vous comme un ennemi pour les musulmans, il est plus mentionné même dans le Coran, ses éloges même sont plus faits dans le Coran que le prophète sallam à qui le Coran était révélé. Désolé, je ne suis pas musulman. S'il était musulman, on pouvait débattre. De toutes les façons, abonnez-vous, partagez, likez si vous avez aimé la vidéo. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.